C'est mieux que fait ton boulot. Lundi, mais je partirai les mêmes lundi à l'après-midi. J'ai une réunion avec la Banque mondiale là-haut, parce qu'il y a une école nationale à Tienkore, à la Bissou Chamon. Et puis après, on a un peu de temps. Parce qu'il y a une réunion dans la coopération technique de l'Église. De toute manière, on peut faire. Oui. Peut-être lundi, on a un peu de temps. On va voir. Après. À peu près 30 minutes d'entretien, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet entretien entre père spirituel et fils spirituel? Et je suis béni. Rien que ça. Et quel est le message de toute la province du Pilou au service, au loyal service rendu par mon Seigneur dans ce dossier? Un grand merci à mon Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il n'est pas mort, hein, il va continuer à le faire. Et nous souhaitons bienvenue et sincères félicitations à Monseigneur Timothée Bodika qui vient succéder. Nous sommes ensemble, ils ont notre soutien en tant qu'autorité politico-administrative et nous nous restons leurs disciples pour que nous puissions bien conduire la province avec leur bénédiction. Peut-être un mot pour les prêtres de cette diocèse. Bonne fête, c'est une grande fête. Une fête qui a deux sens, comme je l'ai dit. Nous disons au revoir à Monseigneur Mouni et nous disons félicitations et bienvenue à Monseigneur Timothée. Si nous pouvons être très nombreux demain au culte pour témoigner notre attachement à Dieu, ça sera une très bonne chose. On vous a vu aussi saluer le cardinal Monseigneur. Quelles sont vos impressions? Son éminence, je le connais depuis très longtemps et c'est toujours une grande joie, j'allais dire l'allégresse, de les rencontrer à tout moment. Quand je vous dis je suis béni, j'ai mon Seigneur, j'ai son éminence, je suis réellement béni. Merci. C'est moi qui vous remercie. Acheter la voiture.